Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 21 de notre incroyable aventure FX Resident Evil 8 Village. J'espère que vous kiffez toujours autant. Merci d'avoir propulsé ces 19 et sûrement 20 premiers épisodes en top tendance. Non, mais je sais pas si vous imaginez... Ce que vous avez fait, c'est insane. C'est littéralement insane. GG à vous. Félicitations, merci beaucoup. Surtout, et merci encore à ceux qui prennent le temps de mettre le petit like et le commentaire. Vous rendez fou, évidemment. On continue. Plongez-vous dans le noir. Un petit truc à boire et à manger. Faites attention quand même à votre ligne à l'approche de l'été. 30 minutes ensemble. Et tu connais la musique. On avait fouillé tout cet étage. On avait récupéré un truc très très cool. Et là, on va aller à l'étage B3 parce que je suis sûr d'avoir oublié quelque chose dans la fameuse brèche du mur, à mon avis entièrement cassable avec une grenade. Je me trompe peut-être, mais allons vérifier tout de même. Oui, et on va oui. voir le prix du marteau d'Heisenberg. Donc cœur parfait, on en a deux, ça fait quand même 50 000, pas négligeable. Cœur mécanique, on en a 5, donc 3 pardon, vendus à 5 000. On a un petit crâne en polycristallin, pas grand chose, ça c'est une petite broutille, tu vois. Mais par contre, on a le marteau, et le marteau, me semble-t-il, est totalement fini, donc 45 000, on peut vendre tout ça. On se met plutôt bien. Alors, on va acheter juste ça, ça vaut 3 000, ça sera jamais trop de toute évidence. On pourrait essayer contre le mur. La marchandise est plus important que tout. Ah, est-ce qu'on peut modifier... Là, il y a encore 4 places de disponibles pour... ça peut être insane. Ça peut être vraiment insane. Donc, on verra plus tard. Merci. Allez, on est reparti. Mais de rien. De rien, mon petit pote. On est reparti pour cet endroit qui me turlupine un peu. Alors... C'est ici. C'est ici où le doute m'habite, évidemment. Donc, vous savez quoi? Conscience professionnelle, on va checker ça très très vite. Maintenant qu'on a la carte, c'est pas grave, on aura fait un tour pour rien. Mais l'important, c'est qu'on soit ensemble, finalement. Regardez comme c'est beau, putain, mettez en 4K. Franchement, ils ont fait un... Il y a un degré de détail. Alors, moi, on m'avait dit, tu verras, je ne te spoil pas, mais arriver aux usines, c'est pas foufou. Hein, c'est très action, c'est très bizarre. Ça part un peu en couille avec l'homme ventilo et tout. Force est d'admettre que, honnêtement, pour moi, là, c'est juste les créations folles d'Heisenberg, finalement. C'est un peu le docteur Frankenstein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour être franc avec vous, rien me choque. Je suis pas en mode, oh, waouh, non, vraiment, là, c'est vrai que c'est bizarre. C'est pas très bien, ou en tout cas, c'est incohérent. Moi, j'y trouve aucun souci. Voilà, je vous le dis, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je vois pas, pour le moment, où... Les choses ont été mal faites, si je puis me permettre. Donc, ça me va. Jusqu'ici, ça me va. J'ai peut-être changé d'avis très vite. J'ai peut-être vrillé, comme on dit. Mais là, pour le coup, rien de très choquant. De toute façon, vous connaissez mon honnêteté. Quand je trouve une phase bonne, je le dis. Quand je trouve une phase moins bonne, je le dis aussi. Là, pour le coup, on est bien. On est bien. Pas grand-chose. Voilà. Oh putain, il reste encore un autre truc que j'ai pas eu ici. Pas grand-chose à reprocher au jeu. En toute honnêteté, tout me va. Alors... On va fouiller. Oh là là. Bah voilà, ça c'est déjà fait tout ça. Et on va refaire un tour complet s'il vous plaît. Parce que vraiment la brèche dans le mur, bah je vous le dis que j'ai un petit, tu vois, je vais mal dormir. Je vais mal dormir. Je préfère checker. Je préfère qu'on fasse un petit aller pour rien. C'est gratuit, c'est pas grave. Ça vous permet d'éteindre vos lumières. J'espère que vous regardez chaque aventure horrifique les lumières éteintes. Et ça nous permet aussi d'être ensemble calmement. Voilà, préparez-vous, échauffez-vous. Parce que de toute façon, ça va swinguer, hein, vous le savez, dans la suite de notre aventure, qui est l'autre étage qu'on a déjà découvert. Mais on a refusé d'avancer parce que vraiment, il y a un trou dans le mur très bizarre. Ça fait une brèche, mais il n'y a pas la grosse croix qui dit, tu vois, explose le bordel. Donc là, c'est la conscience professionnelle qui parle. Ça vaut le coup de le checker. Ça vaut le coup de le checker. Ok, qu'avons-nous là? De toute évidence. Rien, encore une fois. Et c'était par ici, non? C'était là, en fait. Là, il là, y a quelque chose. Je suis désolé. Hop, c'est peut-être du gâchis. Au diable, là. C'est du gâchis. Putain.
contre, ça a l'air fragilisé aussi là, alors... Et il y a une sortie. Ah, putain. Bon. Bon. On a gâché 3000 balles. Ça va. Mais, au moins, conscience professionnelle, on a été au bout des choses. Et on a récupéré ce qu'il fallait récupérer. Donc, ça me va très très bien. Ah ouais. Oh là là. Ça ne s'arrête pas. C'est du délice, ça. Hein. C'est du délice. Hein. Oh, let's go! Attends, y'a rien là? Rien va m'arracher la gueule? C'est quoi le meilleur chemin pour brousser... brousser chemin, ça se dit brousser chemin? Non? Je ne sais pas. Quelqu'un brousse ici les chemins? On aurait pu l'avoir un peu plus tôt, mais enfin, eh, vaut mieux tard que jamais. Au moins, l'important, c'est que c'est fait. Ok, on va rebrousser chemin. Si, rebrousser. Ah non, brousser chemin, ça ne se dit pas, mais rebrousser, ça se dit, évidemment. L'effet de broussage, hein, qu'on... Effet très connu, Bruce Willis, l'inventeur de cet effet-là. C'est ce qu'il a fait à ses cheveux, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne les a plus jamais revus. Et on les a plus jamais revus non plus. Là, on n'a plus rien. Oh là là, c'est incroyable, je suis tellement content. En vrai, je suis tellement content, on vit une aventure folle. Je suis tellement bien avec vous. Direction premier étage pour mouler. Encore une fois, une boule. Et repartir en arrière. Et on va encore avoir un truc de dingue. J'ai tellement hâte. C'est totalement dingue. En fait, je me rends compte. Vous savez de quoi je me rends compte? Je me rends compte qu'en fait, dans les aventures que je vous propose, qu'elles soient horrifiques ou non, divertissantes, je prends tellement de plaisir à être avec vous. Et j'avoue que entre deux aventures, j'ai l'impression que YouTube, c'est trop pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 12 ans que je suis sur YouTube. Et je vais pas vous mytho. À chaque fois, je me dis, allez, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer une année encore? Parce que ça reste quand même du boulot, ça reste des rendus à faire, ça reste des uploads et tout. Et par contre, quand on est aventure, tous les doutes qui m'habitent, d'accord, s'évanouissent littéralement. Donc, bah voilà, si je pouvais faire que des aventures, je vous promets que je le ferai. Et c'est vrai que, surtout depuis que je suis streamer plein temps, c'est-à-dire tous les jours, hein, sur ma chaîne Twitch, MrBboy45, ça tu connais, depuis que je suis streamer plein temps, bah j'ai pris tellement de plaisir en stream que YouTube, ça a petit à petit diminué dans mon kiff, voilà, pour être franc avec vous. Et là, je le retrouve quand même. Voilà, je le retrouve quand même. Heureusement qu'il y a des Resident Evil, heureusement qu'il y a des The Last of Us, heureusement qu'il y a des Horizons, heureusement qu'il y a tout cela, parce que c'est vraiment dingue. Allez, on est parti, on va mouler, parce que là, on papote, on voit pas le fond du bol. Et, ah, je peux pas save, tiens. D'accord, parce qu'on est en temps de chargement, je pense. Hop, voilà, ça dégage. On va mouler, et je suppose qu'on va encore avoir un ennemi incroyablement chiant là-dedans. Là, ils peuvent pas repop, parce que de toute façon, ils nous donnent quand même des trucs à 25 000. Bah, après, moi, si repop, ça me va, hein, tu vois, je vais pas chialer, mais... Mais vu qu'on l'a déjà fait pour le premier mot, putain, j'ai cassé le bordel là. C'est ici, hein? Ouais, c'est ici, je crois, c'est en bas. Ok, je commence à connaître ces usines par cœur. Usine gigantesque, hein, aussi grand que le village, j'ai bien l'impression de dire, hein. C'est juste là. Allez, on va mouler! On va mouler quelque chose qui va nous rapporter de la grosse moula. Et ça, ça fait plaisir. Let's go. Allez, coule-moi tout ça. Coule-moi cette boule! Vends-moi du rêve! Ce petit épisode où il s'est encore rien passé, mais c'est de la découverte de trésors. Ah bah moi, ça me va! Ça me va bien. Allez, go. Je suis sûr que la plupart des let's play qui ont été tracés par les gens, vous n'avez pas vécu tout ce qu'on vit là. Vous n'avez pas été chercher les petites subtilités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un véritable plaisir. De toute façon, qui regarde quelqu'un d'autre que moi, sincèrement? Pas grand monde, hein. Non, mais il n'y a pas d'intérêt. Enfin, là, vous allez dire, oh, B-Boy, tu prends la grosse tête, mais enfin, quand même. Je me vois pas. Vous savez, il y a plein de gens qui disent, oh, B-Boy, ton rythme de vidéo, une par jour, c'est pas assez. On veut des épisodes d'une heure à deux heures. Eh, hey, je te le dis, entre toi et moi, mon frérot ou ma frérotte, tu reviendras toujours ici. Parce que tu sais qu'ici, c'est quoi? Ici, c'est la maison, tu vois? Ici, il n'y a pas de jugement de valeur. Ici, on accepte tout le monde. Ici, on est bien entre nous. Et ici, on essaye de bien faire les choses. Non, je suis un connard! Merde! On descend.
ça arrive, ça arrive. Et ici, on essaye de bien faire les choses, évidemment. Et je pense qu'on les fait bien, d'ailleurs. Je suis sûr qu'ici, mon frérot, tu dois avoir une petite dingue. Ok, go. On va mettre la boule là-dedans. Alors, La boule. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Je crois qu'on les a tous eus, hein. On a eu toutes les boules de nobles. Attends, je comprends pas là. Où suis-je? Je ne comprends pas. Ok, je commence à comprendre. Très bien. D'accord, en gros, si ça, ça passe, je suppose que ça peut perturber. Je comprends pas où faut descendre. Alors là, me demandez pas ce qui se... J'ai pas compris. Ah. Ok. Ah, d'accord, putain. Eh, je suis un connard. Mais j'ai rarement vu un connard comme moi. Mais un connard très sympa quand même, tu vois. Ok, ça va être chiant. Ah, bah je disais que ça manquait de difficulté, bah là on y est, hein. C'est bon. Ok, allez, on y va tranquillement. Très bien ça. C'est moi où j'entends le vendeur là qui renifle en même temps. Il est massif le bordel. Ok, allez, on va y arriver. Hein. Mais non, mais c'est pas vrai, je suis un abruti. Oh, non, attendez, c'est pas facile. Hein. Non, mais pour ma défense, c'est pas facile. Comment ça me cassait les couilles ces histoires? Allez, mon ref, hein. Bon, d'accord, je suis passé à travers le truc, je crois. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, frère! Ça pue la merde, votre truc! Voilà, non, mais je le dis! Putain, créer des machines, c'est bien, mais créer des casse-têtes claqués, ça, tu sais le faire aussi, mon ref, hein? Attends, on va calmer le jeu. Mais je vais bouillir, je vais éclater un truc. C'est pas possible. Allez, oh, ma boule, elle est keblo, mon ref! Miette de pain là-dedans? Je vais commencer par savoir speedrunner ce truc de merde. Hein. Attends, parce que là, je me suis perdu, je suis un connard. Ok. Ok. Non. Non, je vais bouillir. Je vais bouillir. Ah, oh bah, deux doigts de bouillir. Dites quelque chose, s'il vous plaît, en commentaire. Donnez-moi un truc qui m'apaise. Ma bite. Ok, c'est bon. Excusez-moi. Je parlais de mon doute, hein, évidemment. Mon doute qui m'habitait à ce moment présent, faut le savoir. Non, c'est pas... Non, oh les gars, oh non, non, mais c'est pas possible, tout est contre moi. Ça passe à travers le métal, mon ref, hein. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, toutes ces choses en douceur, lentement, irriguées, sensualité. Je chante bien ou pas le chat? Ouais.
Allez, mon pote. Hein. C'est pas vrai. Ok. Attends, s'il te plaît, attends. Ok. Incroyable. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Je vais explose quelque chose. Parce qu'on voit pas ce qui se passe. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, toutes ces... Pourquoi j'ai cette musique de merde en tête? Allez. C'est pas vrai. Bon, ça maintenant, c'est de la qui, c'est de la quoi, hein, comme on dit dans le milieu. Non, 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 il a failli me pousser, il a failli me pousser, vous êtes témoin. Non, 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 ok, ok, on stabilise, on stabilise, on stabilise, on stabilise. Préparez-vous. Non, non. Non! Quelle vie! Mais allez, mais je suis encore chier. En train de craquer. En train de tout dérouiller. Envie de me demander. Je suis comme une boule de flipper. Qui roule, qui roule. Quoi? Mais non! Allez. Allez, eh, c'est pas possible, on va rester 30 minutes. La tête de ma mère que si je dois faire un épisode entier sur un casse-tête de merde, je le fais, j'en ai rien à péter. On a déjà perdu 7 minutes dessus, on en perdra 10 s'il faut. Eh, le trésor, putain, si tu me dis que ça vaut 20 balles. J'en ai marre, hein. C'est bon, on a réussi, je crois. Oh. Quel enfer, quel enfer! Bon, il était stylé, mais c'est un enfer. Oh putain. Merci. Non, j'ai vraiment cru qu'on allait passer un épisode entier, là. Hein. Oh, merci. Allez. On est parti. Putain, ils sont endormis. Ben ouais, mais c'est normal. Ah ouais, réveille-toi, mon ref. On est parti, là. Mais moi, je me serais endormi, frérot, là. C'était plus possible. Fais gaffe à ta nuque, hein, mon frérot. Hein. On va pas te faire mal. Là, y'a rien. Ah, ça monte haut. Hein. Ah, ça, je reconnais. C'est quoi? C'est une chauve-souris? Qu'est-ce que c'est? Ok. Bienvenue. Oui, bah, bienvenue, bienvenue. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on avait... Quoi? Non. Juste pour ça? Dépensons sans compter. Ah, ça fait pas rêver, hein. Ça fait pas rêver. Laissez-moi faire. Ah non, ça fait pas rêver. Mm-hmm. Avec plaisir. Ok. Bonne journée. Attends, on va save parce que là, j'ai l'impression d'avoir goûté l'enfer, tu vois, à travers un casse-tête. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, si on me dit, c'est quoi ton expérience sur Resident Evil 8? Je suis resté bloqué sur une boule. Voilà. Fin d'expérience. Oh putain, terrible. Bon, allez, on est parti. Incroyable. Sésame, ouvre-toi. T'es vraiment un coriace, toi. Mais trêve de bavardage. Il est temps d'en finir. Tu peux l'entendre, pas vrai? Il y a quelqu'un qui t'attend. Quoi?
Genre, y a quelqu'un qui m'attend. Genre, c'est un géant, mon ref, ou quoi? Prototype Sturm. J'ai utilisé un turbopropulseur bon marché, mais la puissance du réacteur est peut-être un peu trop élevée. Il est impossible de le contrôler. Tout ce qu'il fait, c'est charger. Il a beau être complètement invincible devant, cet imbécile a réussi à se couper les bras avec l'hélice. Sans parler des problèmes de surchauffe quand il fonctionne trop longtemps. Conclusion, un échec total. Bon, allez, c'est parti, le boss. On est bien ou pas? J'ai l'impression qu'on est bien quand même. C'est parti, c'est le boss. Allez, go. On n'a pas le temps pour ces conneries, on va lui casser la gueule. Il est un pété, putain. Hey, ah, connerie, laisse-moi tranquille. Non, c'est pas possible. Ok. Wow! Ça brûle, mon pote! Quoi? Ma mine? Hervé, ma mine? Ok, je crois que je l'ai touché. Hein. Allez, viens, mon pote. Non, viens pas. Viens. Wow. J'en ai marre de toutes ces conneries, j'ai envie juste d'en finir. Ça vous est fait. Ok, c'est pendant qu'il fait ça. Ok. C'est bon. Il revient pas. Ouais, va pourrir, hein. Ouais, on n'a pas le choix, hein. Ok. Bah écoutez, bonne chose de faite, j'ai envie de vous dire. Là, vous là c'est sûr, il pouvait casser et tout casser. Là, c'est sûr qu'il pouvait tout casser aussi. Quel bordel il a foutu, c'est pas possible. Qui va nettoyer toutes ces conneries, là? Vache. 10 munitions sniper, ça je prends. Vous êtes les bienvenus chez nous. Envie de chanter. Ok.
y a quoi là-dedans? J'y pense. Un cigare? Bah, attends, c'est un objet ou c'est un... Un cigare? Oh, c'est collector. Il a pris l'humidité, c'est totalement collector. C'est le cigare d'Heisenberg. On adore, évidemment, on embrasse tous les cigares cubains. Miranda est ignoble. Sa fourberie ne connaît pas de limites. Pour elle, nous ne sommes qu'une série d'expériences ratées avec le cadou. J'ai simplement eu la chance de montrer plus d'affinité avec ce truc que les autres villageois. Elle ose encore dire que je suis son fils. Tu parles. Jamais je lui pardonnerai ce qu'elle a fait. Cette bonne femme a toujours une case en moins. Elle est incapable de faire une différence entre cobaye et famille. Miranda n'a pas seulement transformé mon corps, elle m'a enlevé ma dignité. Si je ne la tue pas, alors je ne serai jamais maître de ma propre vie. Ceci dit, elle est peut-être folle, mais elle est aussi très puissante. Elle est capable de prendre n'importe quelle apparence grâce au méga-missette. La clé, c'est cette gamine, Rose. Si je pouvais m'emparer de son pouvoir, alors peut-être que... Mais j'y pense. Son père Ethan a un corps plutôt intéressant, lui aussi. Je pourrais peut-être le forcer à m'aider. Bah, ouais, moi j'aurais accepté. Oh, bah dites donc. Attends. Que se passe-t-il ici? Il y a des issues partout, là-haut. Bah, il y a deux issues. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre là. Pardon, je me suis bloqué dans une porte. Enfin, dans une... Non, ce n'était pas une porte pour le coup. Ok, une petite plante, c'est tout? Non, un petit trésor, mon ref. Ok, un fluide chimique, c'est tout. Ok, ça, c'est tout. Ok, des cartouches, c'est tout. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, le compte est bon. Le compte est bon. On va peut-être pouvoir se faire... Ça, ça me paraît pas mal. Voilà. Grenade flash, on prend. Très bon, ça. Très, très bon, ça. Bon, on n'aura pas toutes les chèvres. Hein. Il y en a deux. Vous m'avez fait des petites photos. Je les ai oubliées. Une sur un arbre. Une sur le chemin du retour. Et une direction le cimetière, mais bon. J'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut réouvrir ici ou c'est mort? Je vais juste checker par conscience professionnelle. Qu'est-ce qu'on a là? On a rien. Si, on a quelque chose, bien sûr que si. Écoutez, on va s'arrêter là. On a fait un boss, on a fait un casse-tête. Et c'est déjà pas mal. Attendez, il y a beaucoup de choses là. Beaucoup de choses. On pourra aller là-haut. Hein. Bon! Eh bien, on avancera la prochaine fois. J'espère tout de même que cet épisode vous a plu. On va faire peut-être un ou deux achats, ou en tout cas voir la valeur des choses. On avance lentement, mais on avance avec le cœur et avec plaisir, évidemment. Et ça, c'est le principal. J'ai peut-être vendu quelque chose que je vais regretter, parce que je l'ai vendu peut-être un peu vite. Cigare cubain. C'est tout? 3000? Peut-être même pas le coup de le vendre, ce bordel. Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Ok, on est pas mal, on fait des petites améliorations. À la prochaine. Allez, n'oubliez pas de j'aimer les commentaires, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 22 de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde, ciao ciao.